Allez, salut. Remercier nous qui fait déplacement. Et je dis à la nous-mêmes au niveau cabinet avocatus qui constitue les fonds syndicat SPNA 17. Établir que SPNA 17 sont une structure syndicale qui trouve l'un de la police. Qui là qui a bataille pour revendication policière, qui a bataille pour intérêt policier pour assurer que les policiers, normalement, ils travaillent correctement et avec les meilleures conditions nécessaires. Et depuis plusieurs semaines, ça qui a bien fait la chronique, c'est la mort de policiers, etc. Et à travers plusieurs voix qui viraux et qui virales sous les réseaux, on a constaté que les gars des policiers dans l'opération et puis malheureusement qu'a voué des renforts qui par jambes fait renfort. Face à ce constat ou bien face à cette tuerie en série, si vous voulez comme ça, nous avons des policiers qui mourent dans le niveau lien pour et malheureusement c'est avec un peu d'amertume, un peu de choc, un peu de désolation, frustration que l'on a constaté que des enfants munis d'armes lourdes, a fait venir au cadre de la police pour des familles qui étaient petites, qui étaient madame, etc. Et puis qui mourent, 6 policiers mourent, etc. Donc je dis là, structure syndicale a décidé de plainte. Parce que l'hypothèse de plainte, parce que ils sont structure qui a bataille. Policiers, ils font partie de quoi là? Contre les membres du CSPN, Conseil supérieur de la police nationale, j'ai oublié là. À savoir, il y a une réplique pour fait, des GLB, même le commissaire à l'année incité dans la plainte. Pourquoi? Parce que par rapport à la mort de ces 4 policiers au niveau de Pétionville, non voice, nous disons nous, les policiers ont passé plus de 2 heures à demander des renforts. Mais nous, nous-mêmes, comme avocats, qui sommes conseillers du syndical, hein, nous disons est-ce que l'on est en danger, l'on ne peut pas porter assistance avec, est-ce que la loi pénale? Ça me dit oui. L'on a regardé dans l'article 264 du Code pénal, il est dit que toute personne qui refuse de porter assistance à quelqu'un qui est en danger est passible d'une infraction délictuelle et il y a une question entre 6 mois à 1 an en prison. Mais quand nous ne pouvons pas dire pour qu'ils s'en passent ce tribunal correctionnel, nous non. Parce que nous déposons plainte par devant le cabinet d'instruction, nous déposons plainte par devant le cabinet d'instruction, c'est parce que dans plainte, nous parlons de l'association malfaiteur. Et l'association malfaiteur, là, c'est une infraction criminelle qui est punie par l'article 224 du code pénal. Ok, qui attend nous déplaite ça? Je dis là, nous venons déposer plainte, c'est parce que nous voulons dire à ces autorités, mais à ces personnes investies d'autorité, écoutez, que la loi punit leur non-agissement. C'est-à-dire le fait que les policiers attendent un jour, pas pour des renforts, ils punissent ça. Le fait que les policiers ont demandé un renfort pendant 2 heures de temps, la loi punit ça. Mais SPN a dit ça, estimé que il est nécessaire pour que le poser accès avec le cabinet d'avocats. Parce que si chaque policier prend l'opération et qu'il n'y a pas pour des assistants avec eux, ça crase le moral policier, pas bien intérêt, pas bien volonté de prendre l'opération vraiment. Donc, sa population va livrer pour lui. Et c'est ça qu'on va appeler. Donc, je dis là, je pense que puisque personne n'est au-dessus de la loi, même Ariel Henry n'est pas au-dessus de la loi, donc, meilleur chemin, chemin qui est bien élégant, c'est déposer plainte là. Maintenant, le doyen du tribunal de première instance, à savoir Maître Charman Etienne, il va y avoir l'autre choix. Puisque le dépôt de la plainte a été fait, nous déposer plainte là. Maintenant, bon dossier qui est préparé là, le dossier sera acheminé, pardon, au greffe du cabinet d'instruction. Maintenant, doyen par l'autre choix pour désigner un juge certifié, bien sûr. Maintenant, pour le désigner et de là étant, je vais commencer à tendre le monde qui fait partie de CSPN, y compris le commissaire l'année. Parce que les policiers, nous, ils n'ont pas qu'à comme des chers à canon, j'ai dit, ils n'ont pas qu'à laisser au compte, ils n'ont pas qu'à quitter à mourir comme ça. Donc, il faut que le support, il faut que le moyen d'aller regarder ça qui passe hier dans le niveau de la rue. Ils sont frustrés. Et nous comprenons leur frustration. Monsieur Bodan, petit policier, il ne faut pas attaquer les mêmes personnes qui, dans le même classement, fait au samedi. Monsieur Bodan, nous-mêmes, dans le niveau cabinet, nous avons accompagné avec SPNH. Et nous-mêmes, nous étions confiants que les autorités de ce tribunal prendront la décision nécessaire en acheminant ce dossier pour devant le juge qui sera saisi. Et leur savoir juge là, une responsabilité pour les tout le monde. Tout le monde qui est dans CSPN a une responsabilité dans leur mort policier, dans leur mort policier, dans leur mort policier. Et tout policier qui mourent dans l'exercice, parce qu'ils ont pour mission première d'accompagner, de supporter, de fournir tous les moyens généralement à tous les policiers qui travaillent dans ce domaine. Merci. Merci. Merci.